Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbie Truc. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour. Aujourd'hui, je vais vous faire un tout petit retour sur le matériel que Ryobi m'a envoyé il y a quelques semaines. Il y a une scie circulaire, il y a une ponceuse excentrique et une perceuse d'angle. Avant de dire ce que je pense, un tout petit point. Oui, je suis en train de développer un partenariat avec Ryobi. Et pour être complètement transparent, en quoi consiste ce partenariat? C'est un partenariat qui est relativement simple. Il m'envoie du matériel. Je l'utilise comme j'utilise tout le reste du matériel que je me suis acheté ou qu'on m'a filé. Je fais des petites vidéos comme celle-là pour parler un petit peu du matériel. Et la seule chose que je fais, c'est que un ou deux jours avant, j'envoie ça aux amages de Ryobi pour qu'ils aient un droit de veto, entre guillemets, si la vidéo leur plaît pas. Jusqu'à présent, ils n'ont pas... ça leur a plu. Donc voilà. Juste pour être complètement transparent, ils m'envoient du matériel, mais ils ne me filent pas de poignée. Maintenant qu'on a passé la partie chiante de j'essaie de me justifier pourquoi je parle de ça, on va parler vraiment du matériel en lui-même. J'ai pu le tester de façon semi-intensive sur les deux dernières semaines, d'abord en faisant les trois épisodes pour les aminges du tatou, où j'ai fait bien sûr la chaise qui se renverse, et je les ai utilisés aussi dans un autre épisode qui va sortir dans pas longtemps. J'ai massivement utilisé les deux outils qui sont la scie circulaire et la ponceuse excentrique. La perceuse à ongles, je pense que c'est du... enfin, ça a l'air vachement bien. Pour être honnête, je ne l'ai pas utilisé. Voilà. Donc, je ne vous dirai absolument pas ce que j'en pense. Je vous dirai peut-être ce que j'en pense dans un prochain épisode, mais là, franchement, je ne l'ai pas du tout utilisé, donc je ne vais pas vous dire ce que j'en pense. Par contre, les deux autres, qui sont la ponceuse excentrique et la scie circulaire, je les ai plutôt pas mal utilisés, je vais vous dire ce que j'en pense. On va commencer par la scie circulaire. J'en pense pas mal de bien, en fait. La première chose, c'est que d'avoir une scie circulaire où il n'y a pas de fil, c'est vachement bien. Alors, c'est le principe OnePlus, c'est-à-dire, vous avez des batteries, toutes 18 volts, là j'ai du 5 Ah, j'ai du 2,5 Ah sur l'autre, petit paf pouf, on le met dedans, il y a la sécurité, et ça marche. C'est vachement bien. Alors, la première situation dans laquelle je l'ai utilisé, malheureusement je ne l'ai pas filmé, mais je pense que je referai ça, je filmerai ça, et c'était dehors la cour des matériaux, avec mes chevrons de 4 mètres, et mes demi-chevrons de 3 mètres qui rentraient complètement pas dans ma voiture, mais j'avais ça dans le coffre, et j'ai pu couper mes différents éléments à la bonne taille. Ça, c'est vachement pratique. Donc le côté portable, c'est juste génial. Globalement, ça marche vraiment bien. Vous avez pu le voir dans les différents épisodes que j'ai fait pour la chaise. Ça marche vraiment bien. C'est une lame qui est relativement petite, qui fait 184 mm de diamètre, mais qui est suffisant pour couper pas mal de choses. Je vous laisserai aller voir les caractéristiques, puisque bien sûr, je mets un petit lien avec toutes les caractéristiques techniques, et un petit lien si vous voulez l'acheter, un lien d'affiliation pour Amazon. Vous aurez toutes les caractéristiques techniques. Bien sûr, la lame peut se régler en hauteur, elle peut aussi se régler en angle, elle va de 0 à 45 degrés. Il y a un petit guide qui est fourni avec, et bien sûr, on a un petit adaptateur pour l'aspirateur. Ça, c'est vachement bien. Il y a des petits détails qui sont vraiment pas mal. Premièrement, la garde de la lame, c'est en plastique transparent. Donc en fait, on voit la lame. Ça, c'est vachement bien. La deuxième chose, ici, les... Putain, d'ailleurs, j'ai joué au cochon. Les repères ici sont plutôt pas mal. Ils marchent bien. Et ça nous permet d'avoir des découpes relativement précises. En général, quand je fais des découpes, j'utilise aussi une speed square pour être complètement à 90 degrés. Un petit élément qui est vachement bien, c'est le fait d'avoir la clé Allen pour changer la lame directement mise sur ici. Ça veut dire qu'on ne perd pas la clé Allen et qu'on peut changer la lame. C'est quelque chose que je vais faire dans les prochaines semaines, changer la lame pour avoir une lame avec plus de dents. Le moteur, c'est un moteur brushless qui est plutôt correct pour couper des bois relativement tendres. J'ai coupé un petit peu de chêne avec. C'est vrai que la lame était un peu agressive, donc elle a eu un peu du mal. Le seul élément qui, moi, me perturbe, c'est qu'en fait, il n'y a pas de couteau diviseur. Et c'est un des rares éléments, un des rares reproches que j'aurais à faire à cette scie. C'est qu'en fait, quand vous commencez à avancer, il suffit que vous bougiez un tout petit peu de 1,5 degré ou de 1 degré. La lame
va faire beaucoup plus d'efforts et le moteur va commencer à peiner un tout petit. J'ai pas d'autres... En fait, mes autres six circulaires à fil sont à la campagne et je pense qu'elles ont tous un couteau diviseur à l'arrière. Ce qui permet justement de, un, garder cet axe et surtout de faire en sorte que le bois ne se referme pas derrière la lame. C'est vraiment la seule critique que j'aurai à faire. Ils ont juste à rajouter un petit fucking couteau diviseur et honnêtement, on est nickel de chez nickel. Le gros avantage aussi, c'est que c'est vraiment pas lourd, c'est portable. Enfin, j'ai que des bonnes choses à dire, à part ce petit problème de couteau diviseur. Moi, en tout cas, je valide carrément. Le deuxième élément que j'ai testé massivement, c'est la ponceuse excentrique. Alors, elle marche aussi sur un système OnePlus, c'est toujours du 18 volts. Et elle est vachement compacte. Elle est plutôt compacte et surtout elle pèse genre 2,5 kg je crois avec la batterie, 1,3 kg sans. Pareil, vous pouvez très bien mettre une batterie... Putain, je suis en train de foutre de la poussière partout. Vous pouvez très bien mettre une batterie 5 ampères-heure. Vous pouvez aussi mettre une batterie de 2,5 qui la rend un poil plus maniable et un peu moins lourde. Personnellement, j'ai que des bonnes choses à dire. Elle est pratique, elle est maniable. Avec un grain 80, elle est plutôt puissante. Je l'ai massivement utilisée sur les deux derniers épisodes. Enfin, quand je dis massivement, je l'ai utilisée de façon correcte. Elle est en train de remplacer ma Makita, qui est vachement plus lourde, qui pèse 4-5 kg, qui a un fil. Alors, il y a aussi ce filtre qui marche pas mal, puisqu'en fait, je viens de découvrir que j'ai plein de poussière à l'intérieur. D'ailleurs, on va le vider ensemble. Allez, viens. Franchement, je pensais pas qu'il y avait autant de poussière à l'intérieur. Vous avez vu toute cette merde? C'est plutôt super efficace et ça évite d'avoir un câble, ce qui défie un peu le rôle, justement, du côté portable. Je l'ai utilisé avec plusieurs grains, de 80 jusqu'à 280. Pour l'instant, j'ai pas de problème. Ça se maintient super bien. Tu peux le maintenir sur le haut, tu peux le maintenir sur le côté. Bien sûr, c'est un truc avec un scratch. Ce qui te permet de mettre le papier complètement standard. Je regrette de ne pas avoir eu cet outil avant. Personnellement, c'est un truc que je conseille vraiment, c'est vachement bien. Autant la scie peut avoir une utilisation périphérique, entre guillemets, si vous avez déjà une scie avec un câble, ou si vous n'avez pas vraiment besoin d'une scie circulaire sur batterie. Autant ça, je pense que tout le monde devrait avoir ça ou un équivalent dans son atelier parce que c'est vraiment vachement intéressant. Et c'est vachement pratique. Et c'est surtout, quand vous avez 20 minutes de ponçage à faire, une différence de d'un demi-kilo, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, dernière chose à parler, les batteries. Donc là, j'en ai deux, de deux types. Enfin, alors, c'est toujours du 18 volts, c'est toujours du OnePlus. Alors déjà, le truc vachement pratique, c'est d'avoir bien sûr la quantité de jus qui reste dans la batterie. Et la même chose ici. La première chose, j'ai pas réussi à finir la batterie de celle-là. Voilà. Pourtant, je lui ai mis un peu dans la tronche. J'ai dû faire une bonne demi-heure de ponçage. Et je sais pas combien de découpes j'ai fait. J'ai pas réussi à l'épuiser. Donc ça, pour moi, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que vous pouvez l'emmener avec vous. Vous allez vous taper au moins une demi-heure d'utilisation de votre appareil suivant la consommation sans aucun problème. Elle se recharge plutôt rapidement. J'ai pas non plus eu à m'en plaindre. Et le côté vachement pratique par rapport à d'autres marques qui ont des chargeurs et surtout des batteries vachement différentes les unes sur les autres, c'est que je peux prendre n'importe quelle batterie chargée, je la mets sur n'importe quel appareil, ça va marcher. Et ça, pour moi, c'est vachement intéressant. Ça va limiter mon nombre de chargeurs et surtout limiter mon nombre de batteries que je dois acheter et racheter au fur et à mesure. Si j'avais une conclusion à faire, c'est que je suis vachement content. Je suis vachement content de ces outils-là. Alors, bien sûr, c'est pas... certains diront que c'est pas du Festool ou du Bosch Pro ou des trucs comme ça. J'ai des visseuses Bosch Pro. J'ai pas de Festool, mais j'ai d'autres marques à droite à gauche. Pour l'instant, franchement, les deux outils principaux que j'ai utilisés n'ont absolument rien à envier à leurs petits camarades. Et je pense que je vais essayer de tester d'autres
outils de la gamme Ryobi OnePlus pour voir un petit peu justement qu'est-ce que ça donne par rapport aux autres. En tout cas, je suis vachement content. C'est un partenariat que je vais continuer à développer parce que je trouve que c'est du matos qui est bien, qui est accessible. Alors, voilà mon gros problème avec Festool, Bosch Pro, etc. etc. c'est que je crois que cette ponceuse excentrique toute nue, elle doit être à 60 balles, un truc comme ça. Une ponceuse Bosch Pro, une vraie ponceuse Bosch Pro, on a pour 150 balles sans la batterie. Festool, j'en parle même pas. Donc, pour moi, et pour mon utilisation, je suis pas un professionnel, je passe beaucoup de temps dans mon shop, mais j'ai pas spécialement envie d'investir 400 balles dans une ponceuse. Je pense que c'est du très très bon matériel. C'est à peu près mon avis sur Ryobi et sur le matériel que j'ai testé. Bien sûr, comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien évidemment laisser un commentaire et bien sûr, tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour ma review, entre guillemets, après quelques semaines d'utilisation du matos. Donc la ponceuse excentrique et la scie circulaire sans fil Ryobi, que les amateurs de Ryobi m'ont envoyé. Globalement, j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.